Ici, on a un peu de vinaigre. Ok. C'est du vinaigre. Tu peux zoomer éventuellement là, ça sera utile pour tout à l'heure, sur ce qui est écrit juste là. Ici, on a du bicarbonate de soude. Alors ça, c'est des choses, c'est deux choses que vous avez sans doute dans votre cuisine. Baking soda, c'est utilisé pour cuire, ça rend les gâteaux un petit peu plus légers. Et le vinaigre, vous pouvez utiliser n'importe quel type de vinaigre, ça peut être du vinaigre de vin, du vinaigre de cidre ou du vinaigre blanc, ça marche aussi. Okay. Donc on a les deux et on va faire l'expérience suivante. Rapprochez-vous pour être sûr de bien voir. Hein. Ok. Ouais. Vous êtes prêts? On y va? Allez, tu filmes toujours? Oui. Ok. C'est parti. Alors, on observe. Je vais vous demander après d'aller noter ce que vous avez observé. Donc observez bien. Ça gêne, je te mets par là. Bah, c'est en train de filmer. Je mettrai la vidéo sur YouTube. Sur YouTube ou sur Pronote, je vais dire. Attention, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe? Alors attention, on observe. On observe bien. Ça marche à tous les coups. Ok, alors attends, on observe encore un petit peu. On a tous sursauté. Ça a l'air un petit peu plus calme que tout à l'heure. Alors, on a un moucheron qui s'est invité dans l'expérience. Vous savez pourquoi il y a une invasion de micro, moucherons? Ils ont fait une expérience avec les bananes, les premières, et après, ils n'ont pas sorti les poubelles. Ils les ont mis dans les bacs à compost, et les bacs à compost n'ont pas été vidés pendant les vacances. Bon, là, ça a l'air de se calmer. Le moucheron, il ne veut pas partir. Je vais essayer de voir si ça fait un pchit. Ça fait un petit pchit quand même, ok? Qu'est-ce que vous remarquez quand même? Est-ce qu'il reste du produit? Ah pardon, il faut que j'aille trop. Filme-le un petit peu comme ça, juste. On voit bien. Ouais, voilà. Ou par-dessus aussi. On voit qu'il reste. Il reste un peu de poudre. Okay. Qu'est-ce qu'on rajoute? De la poudre ou du vinaigre? Les deux sont possibles. Hein, on met les poudres. On met de la poudre. Ok. Allez, on va mettre de la poudre. Vous êtes prêts? Ouais. Oh non. Attention. Non, it's okay. If I die, I die. This is like the best way to die. It's not bomb, but hey, I got hit with that. Qu'est-ce qui se passe? Just wait 2 seconds. It's gonna go. Ça n'a pas l'air de réagir trop par rapport à tout à l'heure. J'ouvre pour voir si ça fait un. Rien du tout. Il faut mettre. C'est mort mon affaire là, ça marche plus du tout. Peut-être. Et si on regarde par-dessous, on voit qu'il y a plein de poudre qui reste là. Ok. C'est la mouche. Donc là, ça marche plus. Hein. Je vais vous rajouter de. On essaye de rajouter du vinaigre. Oui. Bon. Mais que du vinaigre alors. Je veux un autre expression. Notez bien toutes ces étapes, tout ce qui se passe ici là. Parce qu'après, il va falloir comprendre. Okay, là, on fait des observations. Vous allez noter les observations. Le but du jeu ensuite, ça va être de faire des hypothèses sur ce qui s'est passé, d'expliquer ce qui se passe. Éventuellement, alors là, il y a déjà pas mal d'expériences qui vont permettre de valider ou pas ces hypothèses, mais sinon, on peut éventuellement faire des hypothèses additionnelles pour compléter. Je rajoute du vinaigre. Qu'est-ce qui se passe? Oh my god! Oh, j'avais pas mis tant que ça. Non, ça a explosé dans 3. En tout cas, ça a réagi. On a vu que ça a recommencé à réagir. Non. Kaboom! Non, ça va pas sortir. C'est quand même tardé. Ouais, il faut vider. Il faut te hurry. Ouais. Peut-être que j'ai pas mis assez de vinaigre. Ok, il faudrait en mettre plus. On va en mettre un petit peu plus. Vous êtes prêts? C'est la mouche qui a fait rater l'expérience. Ouais. Ok.
Alors, maintenant vous allez retourner à merci Lina. Alors je reviens un petit peu sur la manip qu'on a fait aujourd'hui, un petit récapitulatif. On a mis en présence de l'acide acétique, du vinaigre, pardon, mais le vinaigre, on a vu au final que c'était composé d'acide acétique et d'eau. Hein, c'est de l'acide acétique à 7%, c'était marqué sur l'étiquette, et de l'eau, pour les 93% restants. Et dedans, on a mis du bicarbonate de soude, okay, donc la poudre blanche qu'on avait. Donc ici, j'ai fait un schéma légendé avec nos trois différents éléments. Bicarbonate de soude, ici. Ensuite, on avait l'eau, okay, qui est une partie du vinaigre, et l'acide acétique, qui est une autre partie du vinaigre. Hein, donc on voit quatre, j'en ai représenté quatre ici. Donc j'ai fait des quantités un peu arbitraires. Qu'est-ce qui se passe au cours de la réaction? En fait, chaque molécule de bicarbonate de soude va aller réagir, par exemple celle-là, avec celle-là, celle-là avec celle-là, celle-là avec celle-là, celle-là avec celle-là. Qu'est-ce qui va se passer? Donc ici, à la place de nos bicarbonate de soude et acide acétique, on va voir se former du dioxyde de carbone. Et ce dioxyde de carbone, qu'est-ce qui va lui arriver? Il va s'échapper du récipient. Alors, il y en a une partie dans l'absolu qui va se dissoudre aussi, qui pourrait se dissoudre dans l'eau, c'est-à-dire tout ce dioxyde de carbone ne va pas nécessairement s'échapper, on pourra avoir un peu de l'eau gazeuse finalement. Il nous restera, on avait quand même ces trois bicarbonates qui nous restaient. Ceux-là, ils n'ont pas trouvé d'acide acétique avec qui réagir, donc ils sont au fond du récipient. C'est le petit dépôt de poudre blanche qu'on a. Donc au final, il nous reste quoi dans notre récipient? Le gaz, il est parti. On a peut-être un peu de dioxyde de carbone qui est dissous, mais en tout cas, on a essentiellement de l'eau et une poudre blanche au fond. Ça, c'est une possibilité. Imaginons qu'on avait beaucoup moins de bicarbonate de soude et on avait juste ces deux molécules. Alors, première molécule va aller rencontrer celle-là, l'autre va aller dioxyde de carbone, va soit s'échapper, soit se dissoudre. Ça dépendra notamment de la pression. Si on a bouché, on aura plus facilement une dissolution du dioxyde de carbone. C'est un peu comme dans les soda stream. Qu'est-ce qui nous reste dans ce cas-là? Dans ce cas-là, on n'a plus de dépôt, il n'y a plus de poudre. On voit bien qu'ici, on n'a plus du tout de bicarbonate de soude. Ça, c'est fini. Il a complètement réagi. Ce qui va rester par contre, c'est quelques molécules d'acide acétique qui seront dans notre eau. C'est-à-dire qu'on aura comme du vinaigre, mais au lieu d'avoir 7% d'acide acétique, il en restera beaucoup moins. Il y a toute une partie qui a réagi, après ça dépendra des quantités. Donc si vous sentez le flacon, vous verrez déjà que c'est parfaitement transparent, mais si vous sentez, ça risque de sentir encore un peu le vinaigre, parce qu'a priori, il y a un excès en vinaigre. Il y a un cas intermédiaire qui serait si vous avez mis exactement la même quantité de molécules et qu'elles se sont toutes, elles ont toutes réagi finalement. Voilà, j'espère que cette partie était claire. On verra un petit peu plus précisément comment mettre tout ça en équation avec nos équations bilan, parce qu'ici, on a fait juste des dessins, mais on va utiliser des petites formules. Il y en a que vous connaissez, hein. Vous savez très bien, par exemple, que l'eau, c'est H2O. Vous savez que le dioxyde de carbone, c'est CO2. Mais on va voir un petit peu d'autres composés. On va voir exactement comment les atomes se réarrangent, surtout. C'est ça qui va être intéressant. Voilà, très bon week-end à tous.